Hello, moi c'est Anne de toujours Anne le chat sur les différents réseaux sociaux et je viens vous faire un petit podcast au cœur de l'été pour vous montrer quelques réalisations que j'ai pu faire en version très très estivale et j'avais envie de vous les montrer tant que j'avais encore les patrons un petit peu dans la tête. Voilà, donc avant de commencer, eh bien je vous montre ce que je porte. C'est une petite robe. Voilà, que vous voyez ici, avec un dos sur lequel il y a des boutons, et puis il y a ici des petits froufrous. Il s'agit en fait d'un patron que j'avais modifié d'une box crafting de mémoire. Ça devait être le top pamplemousse que j'ai réalisé dans cette jolie viscose que j'avais achetée chez Cousette. Mais je crois qu'on pouvait la trouver ailleurs. Donc ça, je l'ai réalisé l'année dernière. Et j'ai réalisé deux versions de cette petite robe. Et j'adore la porter. Elle est hyper fluide, très confortable et très saillante. Voilà. Donc tout à fait dans le thème de l'été. De cet été qui est chaud et dans lequel, du coup, je me suis décidée à me recoudre quelques petites... robe, short, top pour pouvoir parer à toute nouvelle éventualité de grosse chaleur. Alors, on commence tout de suite hein, par une robe que j'ai réalisée qui est un patron de Atelier 8 Avril. C'est la première fois que je cousais un modèle de cette créatrice et il s'agit de la robe Aldabra. C'est une robe en fait que j'ai réalisée dans une superbe viscose Siouat 6 hein, qui date déjà d'il y a quelques temps. Et moi cette année-là, j'ai décidé, je regarde ici, de coudre un petit peu mes tissus précieux que j'avais achetés cette année ou même les dernières années afin qu'ils ne végètent pas sur mes étagères. Donc, c'était le cas de cette viscose Siouat 6 qui est juste magnifique. Voilà. Et donc, si vous voyez, donc il s'agit d'une robe cache-cœur. Donc, hop, je vous fais un petit tour sur l'arrière. Cache-cœur devant, cache-cœur derrière, qui est fermée ici par des systèmes de petits nœuds au niveau des épaules. Voilà. Et vous avez ici un lien qui fait... tout le tour de la robe pour pouvoir également la fermer. Donc je remets mon mannequin de côté et je reviens un peu plus sur les explications. Donc je vais hop d'ailleurs détacher la robe de mon mannequin. Je pourrais vous montrer notamment comment elle se finit sur l'intérieur. Alors le patron, pour vous montrer quand même ici le dessin technique. Donc vous voyez, donc la robe est proposée de taille 34 à la taille 48. Elle est sur un niveau débutant. Et on a des marges de couture qui sont comprises, qui sont de 1 cm. Voilà, donc vous voyez, ce qu'il faut rajouter là au niveau des explications, c'est qu'il y a tout un système de plis qui se fait sur chacun des pans ici devant, chacun des pans jupe. Pareil sur l'arrière et également ces systèmes de plis qui sont présents également sur les parties doublure, puisque c'est une robe qui, je vous montre cette fois-ci, est prévue pour être également complètement doublée sur la partie du haut. Voilà. Donc vous voyez, donc ce qui fait un fini très propre. Donc moi, j'avais assez de tissu, je ne sais plus combien j'avais en termes de coupons de tissu. Je vais vous dire tout de suite ce qui est préconisé par la créatrice. Il est prévu en taille 40, 2,20 m de tissu. Je devais avoir un petit peu moins et je pense que j'avais pas un coupon, pas plus de 2 mètres. Et ça a permis de doubler, y compris l'intérieur dans le même tissu. Sinon, si vous voulez vous faire cette robe dans un coupon moins grand, c'est possible en optant pour une doublure. Dans un tissu qui sera différent de l'extérieur. Alors, donc, je vous disais que cette robe est indiquée en taille, au niveau débutant.
Faut juste être bien concentré sur notamment les plis, car c'est finalement la seule, le seul détail un petit peu technique. Et puis peut-être également faire attention à l'ourlet ici qui a réalisé, puisque c'est un ourlet qui se fait dans la courbe de la jupe, hein, et il faut toujours faire attention à ce que ça ne vrille pas. Mais toutes les explications qui sont données vont vous permettre de pouvoir la réaliser sans aucun problème. Juste la seule chose que je peux indiquer, portez-vous à la vidéo qui est postée par Pauline sur la chaîne YouTube Atelier 8 Avril, où elle nous fait vraiment un pas à pas qui est très détaillé, puisque, en tout cas au niveau débutant, les explications qui sont données ici au niveau du petit livret ne suffiront pas. Je trouve que son point fort, c'est vraiment ses vidéos, mais c'est difficile. Vous voyez, je vous montre juste, en fait, les explications, elles sont uniquement sur deux pages, et on a juste ça, en fait, en schéma. Donc, faut vraiment, c'est obligatoire pour moi de le suivre avec la vidéo, si vous décidez de le faire en niveau débutant. Voilà, sinon, tout est super bien expliqué. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du système des petits plis. Ça ne va pas être facile à voir ici dans mon tissu. J'ai, voilà, ici, on les voit. On en a en haut. On en a également en bas. Et d'ailleurs, pour moi, toutes... ici, elles correspondent à peu près, mais je crois que sur l'arrière, j'en ai qui ne correspondent pas. J'ai dû me tromper, je ne sais pas dans le sens des plis, mais je les ai laissés ainsi, parce que de toute façon, dans mon tissu, ça ne se voyait pas. D'autant plus quand les pans sont remis l'un sur l'autre, forcément, sur un côté, c'est pas visible. Enfin, voilà. Donc, elle est très, très, très jolie. Dans ce tissu, c'est vraiment magnifique. Les nouettes, je les trouve moi un peu longues. Voilà, elles sont déjà bien, bien faites là, bien nouées, mais ça tombe sur les épaules. J'ai vu qu'il y a une proposition de Pauline pour pouvoir la régler avec uniquement des bretelles, voilà, qui permettraient aussi de la rendre plus facilement soutien-gorge compatible, on va dire, ce qui sera sûrement ma prochaine version, pour pouvoir la porter un peu plus que sur une version purement plein été. Sinon, voilà, c'est vraiment une jolie, jolie robe. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'ourlet. Donc, c'est en fait un rentré, hein, tout simplement. Et il faut le faire de façon assez étroite, si on ne veut pas avoir des surplus de tissu dans l'ourlet. Mais rien d'autre à dire, et je trouve qu'elle englobe très joliment le décolleté devant et le décolleté dos. Donc c'est vraiment très bien. Et évidemment, elle donne le conseil de mettre un droit fil thermocollant sur chacun des pans qui est coupé dans le biais, ce qui est indispensable, puisque surtout sur des viscoses, ce sont des tissus qui se déforment. Et si vous ne voulez pas avoir quelque chose qui baille, il faut thermocoller un droit fil, au moins sur deux pièces, voire même sur les quatre si vous le désirez. Je crois qu'il est préconisé de le faire que sur une des deux pièces. Tout ce que j'avais à vous dire sur cette robe, donc je croyais qu'il y avait beaucoup de versions qui sont proposées sur le hashtag robe Aldabra, puisqu'il y avait un défi organisé par Pauline jusque de mémoire au 31 juillet. Donc vous pouvez aussi regarder toutes les versions qui ont été faites par toutes celles qui l'ont cousue. La robe suivie de la maison Victor, hein, donc il s'agit de la robe qui vient de ce magazine là qui est issu du juillet-août 2021, sur lequel je n'avais encore rien fait, alors qu'il y avait pas mal de jolies propositions, et là j'ai décidé de faire cette petite robe suivie qui est ici, sur laquelle j'ai réalisé pas mal de modifications dont je vais vous parler tout de suite. Voilà, donc vous voyez déjà au niveau
des éléments juste techniques. Je vais vous montrer juste les photos, voilà, qui étaient proposées ici dans le magazine. Donc on la voit dans une version blanche très épurée, ici dans une version viscose imprimée un peu léopard. Voilà, et moi, quant à moi, j'ai décidé, je vais vous montrer tout de suite ma version, de la réaliser dans un vieux coupon de polyester de mon stock qui était noir avec des pois blancs. Je vais juste prendre un cintre et je vous la montre tout de suite. Alors, voilà ma petite robe. Donc, comme je vous disais, hein, c'est un coupon voilà, qui était plutôt du polyester, mais j'aimais bien l'impression avec des gros pois. Et puis surtout, j'avais pile le métrage nécessaire pour faire la robe qui devait vraiment être un premier jet et une toile en ce qui me concerne. Et voilà ce que j'en ai fait. Et j'adore cette petite version. D'ailleurs, elle vous a aussi beaucoup plu sur Instagram. Voilà, donc en revanche, si vous regardez bien, je vais vous remettre le parallèle ici avec la robe qui était proposée au départ. Alors, voilà, donc si vous regardez bien au départ, en fait, elle est proposée avec une encolure qui est assez ras-de-cou. Il y a des petits volants qui sont proposés ici en termes de manches. Et il y a sur l'arrière, forcément pour l'enfiler, il faut faire une ouverture. Et l'ouverture est ici proposée sur l'arrière avec une sorte de petite fente de goutte qui tient par un bouton. Donc il est indiqué qu'il faut, pour la taille, en tout cas moi 40 que j'ai choisi, la réaliser dans un métrage qui est de 1,90 m. Donc elle est proposée du 30 au 48. Et puis voilà ce qu'il en est pour ça. Et donc moi, pour ma version à moi, donc vous le voyez ici, et je vous mettrai aussi mes petites photos là, j'ai choisi de la faire avec une encolure en V sur le devant pour dégager le cou. J'ai repris sur l'arrière, j'ai fusionné en fait la pièce sans faire l'ouverture, afin de ne pas faire la fente avec le petit bouton, puisque je n'avais pas besoin pour l'enfiler. Et j'ai décidé également de ne pas faire les manches et de les laisser telles qu'elles étaient, telles qu'elles se présentaient, sans rajouter les petits volants. Donc voilà pour ça. Moi, j'ai fait plusieurs modifications. C'est que j'avais vu qu'elle était très large. C'est une robe un peu baby doll, hein, voilà, mais elle était effectivement assez large. Et donc, je vous ai dit que j'ai pris la taille 40. Et j'ai décidé, puisque c'était un peu une toile, de ne même pas rajouter en fait les marges de couture. Donc, j'ai pas rajouté les marges de couture ici au niveau des volants. Je n'ai pas rajouté non plus les marges de couture sur les différentes pièces. Ce que je ferais, si je la refais de nouveau, c'est que je conserve le fait de ne pas faire les marges de couture au niveau des volants, parce que moi je trouve qu'elle me va très bien ainsi, ou éventuellement j'ai dit que j'allais rajouter peut-être 2 cm si jamais je refais autre chose que la finition proposée ici, enfin que moi j'ai décidé de faire, c'est-à-dire que j'ai fait un rouloté, mais si je veux faire un vrai ourlet, il faudrait peut-être rajouter 1 ou 2 cm, mais pas plus. En revanche, je rajouterai les marges de couture préconisées ici au niveau des côtés pour que j'ai un tout petit peu plus d'aisance au niveau de mon tissu. Et encore, c'est vraiment parce que mon polyester ici est très raide et n'a aucune élasticité. Mais si jamais je prends un coton ou une viscose avec un tout petit peu plus de, même pas d'élasticité, mais de un peu moins de raideur, je pense que je n'aurais même pas cette modification à faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vous rappelle que je fais 1,65 m, hein, donc pour vous montrer à quelle hauteur elle m'arrive. Donc c'est vrai que c'est, j'aime bien ces robes qui sont assez courtes, puisque comme elle est assez, je dirais, large et qu'elle ne marque absolument pas la taille, bah, l'intérêt c'est de pouvoir quand même un peu dévoiler je dirais les jambes pour montrer qu'on est dans ce style baby doll, mais pour éviter l'effet robe trop informe, etc., qui donne l'impression qu'on est plus ronde qu'on ne l'est peut-être en réalité. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et puis, et surtout, en ce qui me concerne, c'est le type de forme qui me va bien, parce qu'il ne moule pas le ventre, il a plutôt tendance même à le cacher,
et à ce qu'on se sente très très bien et que j'ai des jambes, en tout cas que j'aime aussi montrer, surtout en été quand on est bien bronzé. Voilà. Sinon, les modifications que j'ai faites, alors c'est pas des modifications cette fois-ci, si je vais rester sur les modifications. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une encolure directement en V. Je vais vous expliquer, enfin vous montrer ce que j'ai fait juste moi, je dirais un peu à l'arrache, sur mon patron initial pour faire l'encolure en V. Donc il s'agit d'une des pièces de devant. Voilà. Qui est la pièce A. C'est bien la pièce devant, voilà, qui initialement est comme ça. Voilà, donc avec une encolure normalement qui tombe assez haut. Hein. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est un peu reproché à cette robe-là. C'est que voilà, elle est un peu, c'est un peu haut. Et donc là, j'ai tout simplement d'ailleurs pris une robe du commerce avec un décolleté qui me plaisait bien. Et j'ai décidé de la plier directement. Et finalement, bah, c'était parfait. Donc ça m'a donné directement ma pièce à couper. Donc elle est coupée ici avec le V et après elle est ici au pli. Et la seule chose que j'ai eu à faire derrière, c'est de recouper de nouveau cette pièce-là là, sur une bande, allez, on va dire de 4-5 cm pour pouvoir créer la parementure qui va aller. On se revanche pour le dos. J'ai gardé exactement la même pièce d'eau et la même pièce de parementure. Après, c'est facile. Voilà, moi, j'ai pris un autre tissu puisque ce voile de polyester était très embêtant à travailler et j'avais pas envie de l'avoir en parementure. Donc là, moi, j'ai pris une sorte de... C'est même pas du... C'est du voile de coton ou autre chose. Je l'ai travaillé en parementure, voilà, que j'ai surjeté. On la met endroit sur endroit, on fait bien attention ici au V, on crante, on retourne. J'ai également sous-piqué pour que la parementure tienne bien. J'ai fait quelques points ici à la main au niveau de cette couture-là pour que la parementure ne revique pas. Et comme vous le voyez ici, elle se tient assez bien en place. J'ai fait un oubli que j'aurais dû faire. Alors ici, c'est pas visible, ou peut-être que c'est un petit peu visible ici, ça l'est pas sur moi, heureusement, mais sinon j'aurais dû absolument mettre un droit fil thermocollant ici, au niveau de mon tissu extérieur, pour stabiliser le tissu, et éviter en tout cas qu'il ne gondole. Donc j'ai eu de la chance, puisque ma parementure comment dire, est assez raide, et du coup a permis à mon tissu de bien se plaquer. Mais ça peut être fatal, hein. C'est-à-dire que ça peut vous ruiner une petite robe, d'avoir tout bien fait et d'avoir oublié de faire ça, et de vous retrouver du coup avec l'impression d'avoir une vague ici qui ne se plaque pas du tout. Donc moi, il ne faudra pas surtout que j'oublie la prochaine fois de le faire. Sinon, la... Franchement, le temps le plus long à consacrer à cette robe, vous le voyez ici, c'est sûrement de faire tous ces étages de fronce. Et là, moi, j'ai dû les faire en un quart d'heure à tout casser pour tous les volants. Ce que j'ai fait, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'en fait, là, en fait, ce sont des rectangles, hein, de différentes longueurs, largeurs plutôt, qui nous sont données dans le patron. Je les ai même coupés un petit peu plus longs et j'ai avec ma machine, ma surjeteuse, utilisé le pied fronceur qui est un pied spécial, hein, pour ma baby lock. Donc sur ma baby lock, en fait, moi j'ai ce coffret que j'ai acheté par la suite. J'ai dû me l'offrir à Noël. C'est un coffret pour baby lock qui est quand même assez onéreux. Je sais pas. Et on a, en fait, c'est un coffret, donc moi qui était pour ma baby lock imaginée. Depuis, ça s'appelle la Victory et il est compatible pour d'autres types de baby lock. Et de toute façon, il existe même pour les autres baby lock. Et c'est un coffret qui comprend 6 pieds différents.
Voilà, donc c'est présenté de cette manière-là. Donc il y a deux pieds qui permettent d'avoir, de pouvoir insérer directement du passepoil. C'est-à-dire qu'on a notre passepoil et nos deux couches de tissu et ça permet de tout assembler ensemble. On a deux pieds parce que ça dépend de l'épaisseur en fait du passepoil. Il y a un pied spécial dentelle que j'avoue je n'ai pas trop utilisé, voire même jamais. J'ai un pied, alors par contre c'est assez sommaire ici au niveau des explications. J'ai un pied pour ourlet invisible que je n'ai jamais utilisé non plus et il faudrait que je le fasse parce que je suis sûre qu'on peut y trouver des utilisations même un petit peu détournées. Il y a un pied pour élastique que j'ai déjà utilisé pour le coup et un pied pour fixer des perles. Je vous montre ici, voilà, des fois pour ajouter des petites perles en décoration. Et sinon, le pied dont je vais vous parler ici, c'est le pied pour fronce, qui est celui-là. Voilà, par là, le pied va être ici. Et on a le pied qui a une sorte de double entrée ici. Alors, le tissu à froncer va être posé en dessous, voilà. Et le système fait qu'il va être froncé. Et donc, pour pouvoir le froncer plus ou moins intensément, on règle le différentiel. Donc, en théorie, si on met le différentiel de la surjeteuse sur 2, ça va froncer deux fois le tissu. C'est-à-dire que sur 1 mètre de tissu, à la fin, il en restera 50 cm. Voilà, en théorie, hein. Et on va insérer l'autre tissu, donc pour qu'il soit endroit sur endroit, les deux tissus, on va froncer après, on va insérer ici le deuxième tissu sur lequel on veut apposer le tissu froncé, ce qui fait que, je vais vous montrer le résultat qu'on doit avoir avec ce pied, on aura un tissu non froncé ici, qui sera directement assemblé avec le tissu qui va être froncé. Donc ça fait deux étapes en une. La seule chose, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de la théorie, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que ça fronce en coefficient 2, ça dépend complètement en fait de la nature de votre tissu. Et donc il y en a où... En plus là, on n'avait pas deux fois plus de tissu, donc il faut faire soit des essais, ou soit on y va... au moins quand même sur une chute pour voir comment le tissu va réagir. Et sinon, moi, ce que je fais, en l'occurrence, là, c'est que j'ai commencé à régler mon tissu parce que je voyais qu'il fronçait pas mal. Plutôt, j'ai navigué, en fait, entre un différentiel de 1,8 et de 1,5 pour avoir ma bande qui arrive après tout au bout, le but étant que tous les deux tissus arrivent en même temps à la fin de votre passage à la surjeteuse. Donc, ça arrive... pas en fait, ou alors c'est un gros coup de bol, ou alors vous avez vraiment fait vos calculs préparatoires dès le départ en sachant combien votre tissu rétrécissait pour que ça arrive exactement à tel moment sur votre tissu, votre autre tissu, mais c'est quand même assez compliqué. Et donc moi, je vous cacherai pas que des fois j'avais soit ce tissu là qui était en excédent, ce qui est pas mal, puis ça permet juste de le couper, mais ça m'est arrivé sur un des panneaux d'avoir le tissu qui ne fronçait pas, qui était lui arrivé plus court ou plus long, enfin toujours est-il que j'ai monté mes trois panneaux ainsi, et à la fin j'ai raboté sur les deux au moment où j'ai assemblé mes deux pans devant et derrière, et que comme je savais que c'était une toile, ça me dérangeait pas, et honnêtement, de toute façon, vu le tissu qui est très chargé, finalement, ça ne se voit absolument pas, et comme en plus c'est une robe qui est très ample, on sait qu'on peut prendre ce type de risque sans problème. Donc voilà, donc vous voyez que c'est quand même super pratique, vous voyez, sur l'intérieur, vous voyez plus, le tissu ici qui va être sur le dessus, le tissu qui va être sur le dessous, et il y en a un qui n'est pas froncé, et il y a l'autre qui va être froncé, et donc là, tout l'intérêt, c'est quand même d'avoir des fronces qui sont quand même très vite faites,
et surtout qui sont quand même assez régulières, hein. Moi je pense que je ne ferais pas mieux en fronce à la main, sauf si évidemment on y passait beaucoup beaucoup de temps. Donc voilà comment moi j'ai réalisé cette petite robe. Et tant que j'étais sur ma surjeteuse, eh bien je l'ai après modifiée pour être enroulottée trois fils, puisque j'avais vu qu'elle était parfaite, la robe, telle qu'elle tombait sans faire d'ourlet. Donc j'ai tout simplement fait un ourlet, un rouloté, et en plus le tissu s'y prêtait super bien, je trouve. Voilà, c'est-à-dire qu'il faisait un rouloté qui était vraiment très fourni et très joli, à un tel point que j'ai décidé de le faire également pour mes petites manches. Et pour tout vous avouer, j'étais toute contente, et en fait c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que j'avais pas mis les volants que j'avais pourtant découpés. Et finalement, en l'essayant, je la trouve très bien comme ça, et je suis même contente de ne pas avoir mis les petits volants pour cette version-là. Donc voilà ma petite robe qui, alors évidemment c'est un polyester, c'est pas très respirant, mais justement le fait que ce soit sans manches, puis moi je ne suis pas d'une nature à beaucoup transpirer, donc cette petite robe fera tout à fait l'affaire pour être cette fois-ci dans ma valise, puisque ça ne froisse pas. On continue cette série de petites cousettes très estivales par un petit top que j'ai cousu, que j'avais déjà cousu il y a 2 ou 3 ans, donc je ne pense pas vous l'avoir montré sur cette chaîne. Il s'agit du top Mésange de Delphine et Morissette, dont voici ici le dessin technique. Donc c'est un petit top à bretelles, donc ça me permettait de changer de mes tops Ségur et compagnie, hein, voilà. Donc et celui-là, il a une petite originalité, c'est que vous voyez, en fait, il y a un élastique qui est inséré sur le devant et l'arrière pour faire cet effet un petit peu smoké. Et donc, il y a plusieurs versions qui sont possibles. Donc moi, je vais rester sur la première, qui est la version la plus simple, qui permet, je trouve, de mettre bien en valeur aussi des jolies viscoses qu'on a. On a une version ici avec basque. Moi, je suis pas hyper fan des basques, en fait. Je trouve que ça a souvent tendance un petit peu à alourdir la silhouette, en tout cas la mienne. Et puis, on a cette version-là aussi, qui est très intéressante. En fait, vous avez ici le dos, qui peut être complètement creusé si on a envie de montrer un joli dos bronzé. Et qui est la même, qui peut être réalisée également ici comme avec une basque. Évidemment, si vous avez assez de tissu, il est tout à fait aussi possible de pouvoir amener la robe jusqu'en bas, de la porter avec une ceinture. Je trouve que ça devrait, d'ailleurs, ça doit être très sympa, et il y a beaucoup de versions, si vous regardez le hashtag Top Mésange, qui proposent également ces versions robes, il y a déjà au moins 2-3 ans, mais voilà, il n'y a pas de patron plus actuel ou à la mode, hein. Des fois, c'est très intéressant de revenir dans des anciens patrons. Surtout que celui-là est toujours à 8 euros. Donc, je crois que c'est une créatrice qui n'a pas augmenté le prix de ses PDF. Donc, ça reste quelque chose d'assez quand même assez modique en termes de coût, je trouve. Je vais vous mettre ici, je vais essayer de retrouver mes petites versions que j'avais déjà réalisées. Donc j'en avais fait un en double gaze avec justement ce dos très échancré. Alors celui-là, je le portais de toute façon qu'à la maison. Et puis finalement, la double gaze, je trouve que c'était assez lourd. Il y a beaucoup de versions qui avaient été réalisées en double gaze. Je trouvais que c'était assez lourd et pas trop saillant, on va dire, sur moi. Et la version que je porte et que j'ai beaucoup portée là pendant la semaine canicule que j'ai passée en vacances dans le Lot, c'était ce petit top que vous voyez ici, que j'avais trouvé, que j'avais fait dans une viscose que j'adore, je trouve que ça fait très un motif un petit peu impressionniste, qui est vraiment magnifique et toute douce. Et en revenant de cette semaine de vacances, j'ai eu qu'une envie, c'était de m'en refaire un. Voilà. J'ai jeté mon dévolu sur un petit coupon de tissu que j'avais acheté l'année dernière. J'avais juste acheté 50 cm chez une viscose, je vais y arriver, modèle exclusif chez Super Bison. Et c'était celle-là, voilà.
Je voulais m'en faire une petite jupe taille élastique comme d'habitude, mais comme j'en ai déjà quelques-unes de petites jupes, eh bien je me suis dit que le top mésange, j'allais peut-être passer dans ce coupon de 52-53 cm que j'avais. Et effectivement, tout y est passé. Mais alors intégralement, je n'ai vraiment plus aucune chute. Évidemment, j'ai adapté un tout petit peu la taille du patron pour que ça rentre dedans. Je vous montre. Je l'adore. Voilà. Donc, je trouve ce petit détail, en fait, c'est comme un effet paper bag. Vous voyez celui qu'on fait sur les petites jupes, effet paper bag, et ben c'est exactement la même chose. Là, vous voyez ma coulisse que j'ai fait avec des fils un peu contrastants bleu, fil de broderie bleu, turquoise, voilà, pour que ça ressorte. Un élastique est inséré à l'intérieur et on a le petit volant ici qui sort, mais de loin, ça donne un petit effet smoké qui est vraiment super joli. Donc, j'ai fait exactement pareil dans le dos. Ce sont d'ailleurs les mêmes pièces devant et dos, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, vous avez vraiment un autre intérêt à cette finition-là, c'est que c'est un petit top hein, sur lequel il n'y a pas besoin, il n'y a aucune pince poitrine, puisque l'effet pour accueillir, l'effet volume pour accueillir la poitrine est donné justement par ce système de fronce ici avec l'élastique. Parce que vous voyez, hop, on a de la marge, hein, c'est un coupon voilà, qui est là et hop, qui revient. Et alors, autre chose, c'est que moi, je le porte même avec des bretelles avec un soutien-gorge. Et les bretelles de soutien-gorge tombent quasiment pile poil dans l'axe des bretelles telles qu'elles sont proposées. Donc, c'est vraiment super. Au niveau du montage, je vous montre l'intérieur, mais je ne sais plus s'il était prévu. Je ne suis pas sûre qu'il était prévu de faire des coutures anglaises. Hein, mais moi, j'ai décidé de le faire. Mon tissu s'est filoché pas mal, donc j'ai du coup ici des coutures anglaises, ce qui lui donne un aspect impeccable, un double rentré également sur le bas, et en fait ici pour le montage des manches, on a un biais qui est réalisé dans le même tissu et qui fait l'intégralité ici qui fait tout le tour, et là encore je n'ai fait je crois pas de modification par rapport à la préconisation de longueur qui est demandée pour faire le modèle et ça tombe parfaitement. Et regardez même ici le niveau de voilà de finition au niveau du petit volant, en fait on n'a absolument aucun surjet, je dirais, de tissu qui est visible. Donc autant dire que c'est une jolie cousette et j'ai vraiment très très envie de me la faire en robe. Voilà. Et surtout, voilà, comme je vous le disais, avec un short Dresde, pour faire quelques balades, on a juste ça. Et même avec allez, 35-37 degrés, c'est vraiment très très confortable à porter et très léger. On le sent quasiment pas. J'ai toutefois fait quelques modifications. Alors avant, non, je vais vous parler des modifications. Donc, les modifications que moi j'ai réalisées pour en arriver à cette version qui est moins évasée que la version originale, c'est que j'ai enlevé 1,5 cm de chaque côté, donc 3 cm de chaque côté, donc 6 cm en tout de moins d'ampleur par rapport à ce qui est préconisé. Je vous ai dit que ça passait dans 50 cm, pourquoi? Parce que j'ai aussi enlevé 5 cm. En bas, et pourtant j'ai encore la longueur nécessaire pour pouvoir le mettre à l'intérieur d'un short, d'une jupe, etc. Donc ça passe dans 50 cm, donc c'est quand même assez génial. Côté explication, c'est le seul hic à ce patron. Comment dire? J'avais quelques a priori, c'est pas des a priori, mais des ressentis un petit peu négatifs sur les patrons Delphine de Morissette que j'ai déjà réalisés parce que j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu artisanal. Je vous explique pourquoi. Voilà, donc là, c'est parce que c'est son ancien patron, j'en sais rien, mais effectivement, c'est tout fait à la main. Bon,
Ça me dérange moins maintenant qu'à une époque. J'arrive à faire abstraction. Mais effectivement, tout est indiqué ainsi à la main. Après, je crois qu'on a quand même des codes couleurs. Moi, ça apparaît pas ici sur ma... sur mon papier, parce que j'avais dû être en manque d'encre. Donc ça, c'est un premier point. C'est pas très grave. Après, vous avez quand même quatre versions, je vous l'ai dit, effectivement. Donc là, vous avez, c'est très succinct au niveau des explications. Et pour vous dire, donc on a pas mal d'indications sur tous les métrages qu'il faut, tissu, biais, élastique, pour chacune des versions et pour toute la gamme de taille qui va quand même du 34 au 54. Donc là, je dis chapeau parce que le patron doit dater d'il y a vraiment plusieurs années, 4-5 ans peut-être. Et il y avait déjà une gamme de taille qui était proposée qui était quand même très large. Mais pour vous dire, le modèle 1, qui est le modèle le plus simple, les explications sont là et sont là. Donc c'est quand même très, très minimaliste, zéro schéma, pas d'explication, en tout cas sur la version livrée d'explication. Il faut vous reporter sur le blog de Delphine et Morissette. Vous tapez en fait Delphine et Morissette, pas à pas, top mésange. Et en fait, vous avez un endroit où vous avez tous les pas à pas de la plupart, je pense, des patrons qu'elle propose. Et elle vous fait un pas à pas avec des photos cette fois-ci pour vous expliquer les différentes étapes. Des fois, il y a quelques petites choses sur lesquelles on se pose des questions. C'est pas toujours hyper clair. Donc là, notamment, c'est parce qu'il y a aussi quatre versions et on vous prend pas complètement par la main. Faut avoir un petit peu cousu. Voilà, je vous dis pour s'y retrouver et arriver à le faire facilement. Mais elle a quand même un truc incroyable, si je trouve, de faire des patrons qui sont en dehors du temps, en dehors de la mode. Et celui-là, il est vraiment très beau, très original. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même ma troisième version, et surtout ma deuxième version que je porte énormément. Donc, il est quand même ultra rentabilisé, et je suis à peu près sûre que je vais encore le faire dans les années à venir. Donc, un super patron. Voilà. Donc, je vous laisse avec mes petites photos portées. Je range tout ça. Et je reviens sur ma prochaine cousette. Coucou. Je viens vous montrer une petite astuce. Voilà, je vous montre tout de suite le travail sur lequel je suis. Voilà, il s'agit ici de réaliser un haut d'un top. On peut également imaginer que c'est le bas d'une manche, hein, par exemple, sur lequel je dois réaliser une coulisse pour insérer un élastique. Je travaille sur une viscose qui est extrêmement fluide et en fait toute la difficulté ça va être, puisque j'ai piqué ici mes deux lignes sur l'endroit, d'être extrêmement régulière sur l'arrière. Donc je vous livre ma petite astuce et surtout mes petits outils pour réaliser ceci. Alors je vais faire comme si je devais réaliser un ourlet de ce côté là et donc j'ai ce petit outil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je me l'étais confectionné il y a quelques temps. Moi, je l'ai fait dans du carton. Voilà, c'est Atelier Scamite qui en parle très souvent. Elle appelle ça un couturomètre. Et donc, il existe des petites réglettes comme ça qui passent pas forcément au fer. Je crois que depuis que je l'ai réalisé, il en existe qui passent au fer à repasser. J'en ai vu passer chez Rascol, des toutes faites, et sur lesquelles bah, tout l'enjeu, c'est de pouvoir repasser. Donc, par exemple ici, si jamais je veux ici réaliser une coulisse, je fais un double rentré. Donc je fais déjà moi je m'en sers beaucoup pour faire mes premiers rentrées, par exemple de 1 cm. Et une fois que c'est fait, c'est surtout quand on fait des rentrées de 2 ou 3 cm, eh bien je repasse directement sur mon petit carton. Voilà, avec un petit jet de vapeur. Et puis tout de suite ça me marque le pli et je peux réaliser mes ourlets dont j'ai ici besoin. Pour vous montrer la suite et comment je suis régulière en termes de couture, je passe tout de suite sur ma machine à coudre. Alors voilà, donc je vous montre ici, j'ai réalisé ce petit top avec donc un double rentré. Donc c'est très précis et comme je vous l'ai dit, très au millimètre près.
et je le fais sans amidonner mon tissu alors que c'est une viscose qui est très très fluide. Et donc j'ai retrouvé ces petits ustensiles qui sont des petites plaques qui se collent, voilà, que j'ai reçues sur des petites collantes comme ça. C'est quelque chose qui se colle. Alors je vais essayer de vous en montrer un autre qui est encore ici. Alors comme vous voyez, moi c'est du Made in China. Je l'avais acheté il y a déjà pas mal de temps sur AliExpress. J'essaierai de vous mettre en commentaire si j'en trouve en équivalent chez Rascol. Et moi, je vous fournirai pas les adresses de AliExpress. J'essaie de plus commander, comme je vous l'avais déjà dit, forcément à l'autre bout de la planète. Et je suis sûre que ces petits outils sont désormais trouvables sur des merceries en ligne françaises. Et je vous laisserai les trouver, par exemple, chez Clover, etc. Et vous ferez vous-même votre recherche sur le grand méchant chinois, si vous le désirez. Voilà. Donc là, la partie rouge, c'est en fait une partie collante. Donc, faut l'enlever. Alors, faut faire attention parce que ça colle très, très fort. Et je pense qu'il faut pas hésiter à le coller peut-être parfois un petit peu sur une surface comme un bureau ou une surface en plastique, hein, pour que ça évite de trop coller, parce que je peux vous assurer qu'une fois qu'il est là, il est bien plaqué. Il faut pas non plus évidemment abîmer votre machine à coudre. Et donc une fois que je fais ça, bah, ça sert de guide. Donc là j'ai tout simplement mesuré à partir d'ici, alors évidemment, voilà, à partir de mon pied 3 cm, j'ai posé ce petit guide. Et puis bah là, je fais bien attention à pouvoir guider mon tissu tout du long pour qu'il respecte cette ligne-là. Et je sais que je peux même en coller quasiment deux à la suite. Il faudrait évidemment que je les intervertisse. Mais je peux en faire comme ça pour faire une grande ligne continue pour pouvoir tracer des lignes toutes droites. Donc une fois que j'aurai fait ma ligne à 3 cm comme je fais ici, ici je vais faire une coulisse supplémentaire. Donc c'est ce qui vous permet également de pouvoir faire des petites ceintures de jupe paper bag et qui soient extrêmement bien régulières, et surtout régulières aussi pour la coulisse pour passer votre élastique. Alors ma dernière réalisation couture de ce podcast est un short que je viens de réaliser ces derniers jours. En fait, j'avais envie d'une part d'utiliser encore une fois un demi-tissu précieux, en l'occurrence une viscose Listellor. Et j'avais été charmée par un patron de Apolline Pattern qu'elle avait proposé sur sa dernière collection, avec son modèle de short jupe, faussement jupe, qui est le short Budelli. Voilà, donc short Budelli, donc vous voyez qu'il y a une sorte de taille élastique qu'on croirait être des smokes, et un short court, très large, donc qui donne vraiment une petite impression jupette, que je me disais c'était le parfait compromis entre le short que on aime porter, en tout cas que j'aime porter pendant l'été, et la version un petit peu jupe taille élastique que j'adore également. Et je me disais même pour faire du vélo, ça doit être super de porter ce type de short. Donc c'est la première fois en fait que j'allais chez cette créatrice. Donc là c'est un patron débutant, donc ça va du 32 au 48. Et si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà regarder également toutes les étapes de montage sur la chaîne de Apolline Pattern, puisqu'elle le montre sur une vidéo intégralement comment réaliser ce short uniquement en version sans poche. Puisque la version qui est proposée, alors il ne le montre pas ici, mais donc il y a une version short sans poche qui est proposée et qui est montrée en vidéo. Et sur le patron, on a également les poches à découper et à monter si on le désire. Et dans ce cas-là, les indications sont ici au niveau du livret d'explication. Le livret d'explication, nickel, il est très détaillé. La vidéo est encore plus détaillée. Alors là, c'est quasiment du pas à pas en temps réel. Et comme c'est quand même de la couture assez répétitive, c'est-à-dire qu'en fait elle propose des coutures anglaises, puisque c'est une cousette très facile à faire, hein. Donc couture anglaise, et qu'on fait la même chose quasiment
plusieurs fois tout au long de la gamme de montage et qu'après on pose les élastiques et qu'on fait trois fois, deux fois la même chose. J'ai trouvé la vidéo un peu longue quand on a l'habitude de coudre, mais par contre si on débute, bah allez-y parce que franchement là c'est du régal et on est vraiment pris par la main pour pouvoir le faire. Donc moi j'avais acheté cette viscose de la dernière collection Lise Taylor, hein, je crois. Cette couleur un petit peu ocre, jaune moutardé, avec ces jolies fleurs que j'avais achetées lors des débuts des soldes chez Blondie Mercerie, qui m'a envoyé ça dans un temps record. Donc allez-y, vous pouvez passer vos commandes chez Marion, c'est by Somariaka, hein. Sans aucun souci, vraiment très bien. Et donc je l'avais eu à moins 20 ou moins 30%. Et j'avais acheté ce coupon de 1,30 m, je pense. Je ne sais plus combien il faut. C'est pas marqué ici dans le livret. Je crois de mémoire que c'est 1,30 m de tissu, si c'est marqué. Taille 40, 1,30 m de tissu. Voilà. Et donc voici ma version. Voilà, large, short. C'est bien short, hein, et donc qui est très donne vraiment l'impression d'une petite jupette avec ce type de tissu. C'est vraiment extrêmement fluide. J'avais un peu peur de la transparence éventuelle du tissu, mais compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de fronces, non, en fait, on n'est pas gêné du tout et on peut utiliser ce type de tissu pour le faire. Donc très facile, comme je vous le disais, couture anglaise. Donc voilà, donc il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse là, il n'y a rien qui dépasse là non plus au niveau de la ceinture. Et j'ai aussi fait un double rentré, comme dans ma précédente cousette, ce qui fait que j'ai absolument aucun risque d'avoir des petits bouts de tissu ou de fil qui dépassent. Il n'y a absolument rien, ça donne quelque chose de vraiment nickel, nickel. Alors, en revanche, pour arriver à faire ça, moi j'ai bâti. Hein. Là, j'ai bâti ici pour arriver à faire la ceinture qui était rabattue. Voilà, j'ai mis une petite étiquette pour avoir le dos du devant. Et même en bâtissant, parce que surtout pour un tissu quand même assez... Et encore, cette viscose, elle a quand même pas mal de maintien, pas mal de tenue. Mais voilà, là ça m'a permis d'avoir quelque chose qui était vraiment très net. Voilà, et puis donc on nous explique hein, parfaitement comment faire, évidemment pour avoir des coulisses qui sont régulières. La même, voilà, c'est la ceinture ici qui est montrée, c'est la pièce. Et donc elle nous explique d'utiliser ça sous forme de guide sur la moitié de sa ceinture pour faire des petits traits au stylo friction pour que ça facilite la couture des coulisses. Après, ben voilà, on met trois élastiques. Alors moi, j'avais pas des élastiques de 1,2 cm comme préconisé, j'avais du 0,7 et honnêtement, ça fait complètement l'affaire. Le plus dur, c'est de faire attention à ce que ça ne vrille pas, de coudre la fin de l'élastique bien et ça y est, une fois que c'est fait... On a un joli short. Je n'ai qu'une critique à faire sur ce short. C'est qu'initialement, j'avais prévu de faire les poches. Parce que j'avais assez de tissu. Enfin, j'avais assez de tissu pour faire une partie des poches. Et l'autre, qu'on ne voyait pas, j'avais pris un autre tissu. Je les ai montés sur un côté. Et alors, en l'essayant, je trouvais que ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois l'imputer au fait d'utiliser une viscose, mais dans ce tissu qui est très fluide, comme c'est un short qui est très large, la poche qui était une poche comme ça, hein, qui était prise dans la couture, eh bien en fait ça se voyait, ça s'ouvrait, c'était pas beau du tout. Première chose. La deuxième chose que je n'ai pas aimée, c'est la forme des poches. Je vous les montre. Voici les poches. Alors, elles sont très grandes. Et alors déjà au passage,
c'est pas très clair de savoir si l'entrée de poche c'est ce côté-là ou c'est ce côté-là. Donc moi, j'ai décidé de le prendre sur la courbure du short. Donc ici, hein, voilà. Donc, et en fait, si vous voyez là, je vais vous montrer. Hein, mais ça fait des poches qui sont super grandes. Alors elles sont super grandes. On met sa main. Et en fait, elles sont mal fichues. Parce qu'en fait, on n'a pas... vous voyez, il aurait fallu qu'elles soient... Pour moi, il faudrait que l'entrée de poche soit plus courte et qu'on ait des poches qui soient plus arrondies. Voilà. Qui permettent de pouvoir les rentrer comme ça. Ici, ça ne va pas. Donc ça, c'est ma petite critique personnelle. Je pense que si... Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas le faire dans ce type de tissu. Donc, si vous utilisez en revanche un lin viscose ou un coton lavé, comme elle le propose dans sa vidéo, je pense que le short a un peu plus de tenue et que vous pouvez faire des poches. Mais moi, si j'avais un conseil, encore une fois, avec de la modestie, mais qui est plutôt de l'expérience, parce que je ne suis absolument pas modéliste, styliste, etc., tout ce qu'on veut, mais moi j'aurais pris des poches type celles qui sont dans le short dress de Direndo, quoique non, c'est des poches italiennes. Mais je les aurais quand même prises pour la forme de la poche qui, si je dis pas de bêtises, est plus, voilà, correspond davantage à la morphologie de la main que ce type de poche. Après, c'est pas le plus difficile, mais c'est dommage parce que c'est quelque chose qui a été rajouté. Je pense que c'est vraiment pas beaucoup de travail à refaire. Et je trouve ça dommage que ça se rate. J'aime pas trop le terme, mais uniquement en fait sur la forme de la poche. Après, dites-moi si vous les avez utilisés tel quel et sur ce short-là et que vous les trouvez bien. Mais moi, non. Et je vous l'ai dit, je l'ai monté. Et j'ai dû tout défaire après. Mais je les ai montés, donc j'ai monté la poche et je l'ai testée. Donc je suis à peu près sûre de ma remarque. Voilà. Sinon, un effet superbe. Voilà, encore une fois, c'est à la fois confortable et super joli. Donc je suis très contente et je sais que c'est un short que je vais porter et que je vais refaire dans les années à venir. Donc voilà, je vous montre encore une fois mes petites photos portées pour finir ce podcast. Et donc en profiter pour vous dire bonnes vacances à celles qui vont partir, bonne reprise à celles qui sont parties ou qui vont reprendre le travail. Moi voilà, je tenais à vous faire ce petit podcast un petit peu intermédiaire dans l'été pour vous montrer justement ce que vous êtes au moment où ça pouvait encore vous intéresser parce qu'il est encore temps de pouvoir coudre des pièces d'été. On est que le 28 juillet au jour où je tourne la vidéo. Et donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été, que vous soyez chez vous ou ailleurs. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Voilà. Ciao, ciao. Bye, bye.